Pas bien. Venez comme ça. Venez seulement les images en bas. Cela veut dire que cet endroit n'appartient pas à un individu. Et la ville nous avait déjà donné tous les papiers pour que nous puissions venir travailler. On a même déjà commencé à sarcler. Vous savez que vous voyez là-bas, c'est nous. Alors un individu s'est pointé pour dire que ça lui appartenait. Voilà pourquoi demain, son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Philippe Kobila Mbaka, va débarquer ici pour venir non seulement nous installer, mais également mettre une fourrière ici, à cet endroit, et clore ce dossier-là. Nous avons besoin de 4 centres de compactage. L'un de ces centres doit être installé ici, c'est-à-dire on achète au niveau des postes, des containers que vous avez vus, on amène la matière. Nous allons construire une sorte d'usine ici pour compacter les bouteilles en plastique. Voilà. À partir de 7h30 du matin jusqu'à 17h30. Ok, et elle va vous expliquer comment elle traite avec ses clients et ils viennent d'où, et s'il faut demander aux autres comment ils essayent de ramasser un peu ces bouteilles et comment ils font pour se les trouver. Il fait comme une femme tous nous 30 kilos, 20 kilos, 50 kilos. Dans 50 kilos, on a un local là, dans 50 000 francs. Et le local à 5 000 francs. 10 kilos, un local là, à 1 000 francs. Bon, au début, quand on a un local qui consomme un chat, 1 kilo, et bien, à 100 francs. Donc, pendant vraiment qu'on s'habitue, 1 kilo, 100 francs, mais monsieur m'a déclaré 1 kilo, 100 francs, 1 kilo, 100 francs, dans lequel, pour ma tchabobo. Mais au fur et à mesure, quand on a comment on s'habitue, 1 kg 100 francs, on va toujours par jour, même si on a 50 000 francs, 100 000 francs, 20 000, ça dépend, il y a un kilo au loyer à côté. On va danser suffisamment, mais c'est vous qui choisissez. Personne là qui est en train de me voir.
Alors, vous êtes Tachi, chef de quartier Laurent Désiré Kabila. Ah, papa, Yebisa Biso, Awa, Batoya, Ok, place de Bayaki. Bape Saki Bango, ville et Pesaki Bango, place Nini. Est-ce que place Oane Zali, place ya ville, to Isa, place ya RVA? Oyo place Bango Bazouaki. Ezali espace ya l'État. Ça veut dire emprise ya l'État. Bakota ki na mabele ya RVA T. Marge ke ya ki ba problème, mais ezaki na mabele ya RVA T. Alors, likambo nini le kaki yao? Tango ba ye pote ba ekipa ya kotia biloko na bango, ça veut dire ba ya na conteneur bati ya po na compactage ya ba bouteille en plastique. Baboyaki, bamonaki ke ba ekotonga ou bien ngai na bourgmestre to teke esika wana. Or que ce n'était pas ça. Tozali na mikanda ya urbanisme et habitat, ba pesa kabiso. To leka ki te pa ya bakonzi na bango ya RVA avant ya koye esika wana. Et avec grande surprise, tozala ki interpellé par les policiers ou les militaires de RVA. Naibite si c'était comment lokola biso toke kokota mabili na bango merzalaki na mabili na bango te en prise ya l'état na lobi bien en prise ya l'état balmena ki bino o mutu ki tikala ki wana jepe na bango tikala ki vraiment soko otali ndenge salema ki lokola bateki obie ba iko iba yango esika ya mabili wana. Alors conclusion nini ko tire en tant que yo nde o représenter l'état awa. Pour que la prise à l'État, et loko bakoya kotia wana pona compactage ya ba bouteille en plastique ezali pona bana na biso ba bazale wana passa na terre jaune ao na trois payote bazwa pe emploi tango bakotia bana wana bakomanda koteka biloko na bango 100 francs 200 francs pe bakozwa ndenge ya bango ko survivre. Mais je ne sais pas et loko nini etinda ki bango pote ba boya. Et là, quand on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a pêcher RVA, à ça l'activité n'a été. Nous tenons d'abord à vous remercier parce que nous venons de clôturer avec vous la journée de visite guidée que nous avons consacrée ces jours aux activités de Kintoko. Là, nous sommes à Kinkole, devant la maison communale de Lancélé. L'objectif de cette visite guidée est le suivant. Vous avez déjà entendu parler du projet Kintoko. Kintoko, c'est le diminutif de Kinshasa Kitoko. Nous sommes les partenaires de la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Kiningo Bilambaka, lorsqu'il a pris ses fonctions au niveau de l'hôtel de ville, il a lancé le projet qu'on appelle Kinbopeto. Ce projet est tellement bénéfique pour l'environnement. C'est ainsi que nous, au niveau de Okeplast, nous avons eu l'idée d'investir dans l'environnement. Pourquoi dans l'environnement? Parce que, comme vous le savez, nos rivières sont pleines, nos rues sont polluées, notamment par des bouteilles en plastique. Or, ces bouteilles en plastique sont recyclables. Ces bouteilles en plastique détériorent l'environnement. C'est ainsi que nous avons investi dans une usine. Vous verrez l'usine, nous allons vous remettre même les images. Une très grande usine, de très grande capacité, c'est la deuxième en Afrique après celle qu'on trouve au Nigeria.
cette usine aura comme tâche transformer, recycler les bouteilles en matière première qu'on appelle PET, que les sociétés brassicoles et autres utilisent pour fabriquer leurs bouteilles. Ainsi, nous allons vivre un cycle. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça se passe. Je vais faire venir le matériel didactique. Alors, si nous vous avons fait venir, c'est parce que ça fait 4 mois depuis que nous avons lancé ce projet. Ce projet consiste à acheter auprès des jeunes des bouteilles plastiques. Les gens, les usagers, ramassent les bouteilles plastiques et viennent les vendre au niveau des containers que nous avons déployés dans la ville. Pour le moment, nous en avons 22. Notre objectif, c'est de déployer même une centaine de containers à travers toute la ville de Kinshasa. Mais pour le moment, nous en avons 22. Et à travers ces 22 containers, nous achetons aujourd'hui plus ou moins 20 tonnes de bouteilles plastiques par jour. Notre objectif, c'est de monter en puissance pour que nous puissions arriver à acheter même 50 tonnes par jour. Nous le faisons pourquoi ? Parce que pour nous, les bouteilles en plastique constituent la matière première qui sera traitée dans notre usine que nous construisons déjà au niveau de poids lourd. Et on ne peut pas faire tourner cette usine avant que nous ne puissions avoir la matière première. Voilà pourquoi nous achetons. Mais nous devons emmagasiner des quantités importantes de ces matières premières que nous appelons les bouteilles en plastique, qui seront transformées en PET au niveau de notre usine. Au niveau de cette usine, pour que nous puissions avoir des matières premières de qualité, il faut nécessairement qu'il y ait un travail en amont, qu'on trie et qu'on amène au niveau de ces containers où nous avons mis des agents qui pèsent et qui donnent de l'argent. Le kilo, c'est 100 francs. Les gens peuvent dire peut-être que c'est peu, mais c'est beaucoup quand vous voyez l'ampleur de tout ce que nous avons comme déchets en bouteilles plastiques dans la ville. Alors, pour que nous puissions arriver à faire correctement le travail, nous avons besoin des 4 centres de compactage. Les centres de compactage, ce sont des endroits où nous construisons des hangars, nous y plaçons des machines, où lorsqu'on collecte au niveau des containers les bouteilles en plastique, on vient avec ces bouteilles plastiques là-bas et on compile ça, on compacte ça pour que ça devienne un paquet. Et ce sont ces paquets-là que nous allons amener à l'usine pour être transformés en PET. Hein? Non, PET, c'est un langage scientifique. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Alors, au niveau de l'usine, tout avance et Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de développer le pays, parce que ce projet a été créé aussi, a été mis sur pied pour rencontrer également la vision du président de la République. Donner de l'emploi aux jeunes qui sont nombreux, sans emploi. Alors, le président de la République pourra inaugurer cette usine d'ici la fin de l'année, probablement au mois de décembre. Nous ne pouvons pas attendre l'inauguration pour préparer la matière première. Et pour préparer la matière première, il ne suffit pas seulement de déployer les conteneurs. Il faut avoir les 4 premiers centres de compactage. Mais nous avons des problèmes. Nous vous avons montré, non loin de l'échangeur de Limété, un endroit. Nous vous avons montré également la route d'Enselé ici, un autre endroit. Nous avons contacté la ville
la ville nous a donné les autorisations, non pas dans des propriétés privées, non pas dans des terrains occupés, mais dans ce qu'on appelle les emprises publiques, c'est-à-dire des terrains réservés à la ville, des terrains réservés à l'État. Mais curieusement, nous avons été menacés, déguerpis des forces, et c'est ça qui fait que le projet connaît un retard au jour d'aujourd'hui. Demain, le gouverneur de la ville, son Excellence Gentini Gombilambaka, va descendre non loin de l'échangeur de Limété pour nous installer, parce que c'est une emprise publique, et installer également une fourrière. De la même façon, nous viendrons occuper les quatre endroits qui sont déjà dédiés pour installer les centres de compactage. Alors, je vais terminer en disant ceci. Le projet Kintoko de Okeplast, c'est au fait le fer de lance de l'opération Kinbopeto que le gouverneur Gentini Gombilambaka a mis sur pied. C'est au fait le premier partenaire de la ville de Kinshasa en matière d'environnement. Il n'y en a pas deux. Les autres sont des petits projets de rien du tout. Mais nous, nous avons l'ambition de pouvoir acheter tout ce qu'il y a comme bouteilles plastiques dans la ville de Kinshasa. Et au même moment, nous rendons la ville propre. Au même moment, nous donnons un peu d'argent aux jeunes qui n'en ont pas. C'est ce qui fait que vous avez vu, dans des conteneurs où nous sommes passés, il y a des jeunes qui achètent, et qui viennent vendre plutôt leurs bouteilles en plastique qu'ils ont ramassées à gauche, à droite. Et au fur et à mesure, nous achetons, il y aura rareté des bouteilles en plastique. Les gens iront chercher ces bouteilles en plastique, même dans des égouts, même dans des rivières et dans nos foyers. On ne jettera plus de n'importe quelle manière ces bouteilles en plastique parce que ça va procurer de l'argent. Et c'est ça notre objectif.